pour les shurikens. Je pense que c'est du knife blade pattern. Knife blade, ok, knife blade. Knife blade pattern. Voilà, le knife blade pattern. On va faire le pattern ici. Je sais ce que j'ai besoin. J'ai besoin que de ça. Il me le faut 4 fois. Alors ok, et donc du coup Supremium. Alors du coup il faut des lingots de Supremium. Attends, comment on fonctionne? Ouais, c'est du lingot de Supremium. Alors attends, je vais... Oh là, je suis parti. Je suis parti beaucoup trop vite. Ouais, bah oui, je sais, 4 matériaux différents pour avoir 4 différents effets. Oui, tout à fait. Voilà. Alors on y va. On va tenter la première version donc. Deux Supremium, un cobalt et une magnoline. Ah oh oui, pardon, lead, on a dit. Un lead. Ok, on va tester ça. Et voir ce que ça donne. Ok, le premier est arrivé. Lead, poisonous, heavy. Le deuxième en supremium. Prosperous, projectile extra, prosperous, etc. Ok. Tiens, je vais en faire un fondre en cobalt pour voir. Hop. Shuriken. Voilà. Comme on l'avait dit, donc AV, poisonous, durite, prosperous, tout ça. Alors attendez. Juste là, on peut avoir aussi... Alors attendez, j'attends que le cobalt se termine. Voilà, juste pour voir, parce que le cobalt a quand même projectile extra lightweight. Donc du coup, ça peut être sympa. On peut avoir deux possibilités là-dessus. Alors, j'hésite, mais au pire, je ferai les deux. Ok, on commence lead manuelite. Allez, je tente comme ça, de toute façon, je peux m'en recréer, hein. C'est pas un souci. Alors, comment ça marche? Ah mais... Oh! Ah mais tu les récupères en fait! Ah bah d'accord, bah du coup on va prendre de la moss. Ah, du coup le ball of moss pour augmenter de la durabilité, comme ça en fait un shuriken c'est une durabilité. Donc en fait le truc le plus simple à faire là, c'est qu'on va prendre un modifier de moss. Hop, 10, voilà. Paf. Voilà, ouais, pas besoin d'augmenter la durabilité du truc. Putain, c'est violent comme truc. Donc, on prend ça. On balance dans le tool forge. Voilà. Mending moss. Alors là, pour le réparer, je mets quoi? Ça, 326, ouais. 326 aussi. J'ai l'impression que je peux mettre n'importe quel matériau. Donc en fait, si je prends du lead à la con. Maintenant, les modifiers. Ça marche pas? Ah, ça marche peut-être pas pour les shurikens? Ok, effectivement. Flotte duration 0,5. Ça marche. Du coup, le nécrotique pour ce régène. Ouais, on est d'accord. Un petit nécrotique. Ça peut que être bon. Ah, c'est trop stylé tout ce qu'on peut mettre dedans, quoi. Ah, mais je peux l'upgrade alors le shulking. Attends. Ah, j'espère que je peux remettre de l'upgrade, hein. Oui, alors c'est pour faire plus léviter les mobs, donc c'est pas très grave si je l'ai pas upgrade totalement pour l'instant. Ah, par contre, je drop pas de tête. N'empêche que c'est puissant cette merde. On peut enlever des modificateurs ou pas? Parce qu'en fait, le truc qui fait léviter, j'aime pas. Je vais faire que de rater. Ah oui, ça me redonne de la vie. Oh, c'est insane. Ah ouais. D'accord. Ah oui, c'est incroyable comme truc. Ouais, on va se faire un wither. Non, on ne peut pas. Ouais, c'est pas grave, je me le recrafterai. C'était bien de tester la lévitation, parce qu'en fait, je suis en mode... Ouais, non, la lévitation, c'est vrai que c'est pas... Mais je voulais tester quand même, parce que ça avait l'air rigolo.
C'est moi ou je le touche pas là? Ah si. Par contre, il va à 200 à l'heure ce con. Ah! Ah bah c'est stylé comme ça. Par contre vise. Ah mais non. Il est pensé insensible au projectile je crois. Eh bah pas mal ça. Le nécrotique c'est tellement pratique. C'est un super slogan de pub. Mais effectivement c'est vachement bien. Avec le, ça s'adapte super bien au shuriken. Parce que du coup tu en lances plein. Donc du coup tu régènes encore plus. Donc effectivement c'est vachement abusé. Ok. Bon, je testerai toutes les armes de Tinker je pense. Je suis tellement curieux. Bon alors notre tier 4. Voilà. Factory Nether Casing. Paf. J'en ai fait même plus que ça. Alors. Là, c'est bon. Il me manque des trucs, je crois, mais... Il me le dira en temps voulu. C'est parti pour le tier 4. Ah. Tu dépasses. Hop. C'est beau quand ça se construit tout seul comme ça. Si toutes les structures multiblocs, tu peux les faire comme ça. Il faut juste le factory tier 4 cap. On n'avait pas fait le tier 4. Ah bah non, on l'a pas fait encore. Tier 4. Bon, bah je retourne buter du NES. Bon ça va, on en a pas beaucoup. Attends, il faut combien de tier 4? Tier 4, il en faut 7. J'avais oublié le tier 4. Voilà, on a tout. Il manque juste ça. Est-ce que c'est vraiment un problème? Non. On va le buter, le Wither. Maintenant, on a un shuriken. Faut qu'on le fasse XP, le shuriken. Regardez. Il a même pas son level, là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord. Ah, par contre, il est insensible. Ah, ouais, c'est vrai qu'il est insensible au projectile. Bref. Paf, headshot. Bon, ok. 14 têtes, c'est bon. On peut y aller. Selon le bouquin, il en fallait 7. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Ça y est. On a fait le tier 4 sa mère. Oh. Là, on va
remettre donc tout ce dont on avait besoin. Ah oui, il manque le bloc au-dessus. Ah d'accord, oui, oui. Ah, je savais plus si c'était avant ou après que je l'avais mis. J'avais un doute. Oui, alors, factory, let's go. Ah voilà, oui, tout à fait, il manquait un bloc, c'est pour ça. Ok, tout va bien alors. Ouf, alors. Ensuite, un diamond chest. Ça, je disais, tiens, c'est bizarre, ça sort pas. Quoi ? Ça sort pas. C'est normal que ça sort pas. Paf. Là, ça sort. Bon, on va arranger ça un petit peu parce que... Oh, c'est bordel. Maintenant, on va faire le up. Bon. Il y a beaucoup de drops, là. S'il me fait des stone sword. Il y a plusieurs trucs qu'on peut mettre. Donc, la première upgrade d'XP, on va la laisser. Rate. Rate 1 qui demande power 1. Ok. On commence par le power 1. Et après, on verra. Sharpness, c'est quoi? Sharpness, c'est du quartz. Attends, je vais faire les sharpness aussi. Vu qu'on l'a là, vas-y, fais du sharpness. Ensuite, l'autre, c'est power. Alors, power. Pendant que ça le fait, ça, parce que le temps que je le cherche, tant qu'à faire. Power. Il faut du flint. D'accord. J'en ai 6. C'est la tristesse. Mais bon, on a sûrement du gravier, donc ça, c'est pas un problème. Donc, du coup, on va faire les tiers 2. Et les tiers 2, ça demande ça. Donc, c'est... Glowstone, Block of Gold. On va en faire aussi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, paf, paf. 1, 2, 1, 2, 1, 2, paf, paf. Là, on a fait du power 1. Allez, on continue parce qu'il va falloir que je les passe au niveau suivant après. Si tu veux que tier 2 marche, il faut le mettre au-dessus du tier 1. Donc c'est en colonne, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, dans un Factory Upgrade Base, tu peux mettre tier 1, ensuite tu le mets par-dessus tier 2 et ensuite tier 3, c'est ça, en colonne? Ok, en pyramide. Ah, mais du coup, c'est vachement bien. Ah, mais du coup, je peux tout mettre. Ah, mais c'est génial. Ah, moi, je pensais que j'étais limité par 4 upgrades. Mais du coup, si vous me dites qu'on peut les mettre en hauteur, mais c'est génial. Tier 3 upgrade. Donc, le tier 3 upgrade, c'est... Ouh, c'est du Prismarine Shard. Rate. Rate 1. Alors, ça, on peut le faire. Voilà. Rate 1, c'est fait. Ok. Ensuite, on veut faire le... Pas le looting. C'est le... Remarque, le looting, je pourrais le faire aussi. Décapitate 1, demande sharpness. Voilà. Alors déjà, dans les upgrades, on peut mettre ça. Ensuite, on veut... Je voulais un looting avec... Le décapitateur 3000 à 60% de chance. Ouais, mais le temps qu'on va se coucher, et que toute la journée, ce truc, il va tourner, je peux te dire que demain, et après-demain, parce qu'on va pas le faire tout de suite, le live modduction, mais quand je vais revenir... Des Wither Skeleton, va y en avoir beaucoup. Alors, faut que je mixe deux sharpness ensemble. Tac, tac. Sharpness 2. Donc du coup, le sharpness 2, c'est pour un Capitator 2, je crois. Decapitate 2. Sharpness 2, tier 2. Paf. Quoi? Mon sharpness 2? Ah, il est là. Voilà. Et donc, l'upgrade, donc, si on m'a dit, c'est... Tu mets au-dessus, paf. Voilà, comme ça. Et on est à 40%. On est presque comme le décapitator. Donc là, j'ai un looting 1. Oui, voilà. Looting 1, on va le faire. Le looting 1, donc, c'est pour... Eh bien, tout simplement, le looting. Paf. Voilà, c'est le quatrième upgrade. Tant qu'à faire, paf. Ok, alors, rate 1. Rate 1, je veux le rate 2, déjà. Rate 2, il me faut du power 2. Donc le power 2 se fait avec du flint, donc c'est parti. Hop, le rate 2. Paf, encore plus rapide. Qu'est-ce que c'est ça? Wither Skeleton Trophy? Carrément. Ok. Looting 2. Donc, looting 2, le looting 2, c'est looting 2, tout simplement. Clownfish. Il faut que j'ai deux clownfish. J'en ai combien là, du clownfish? Je vais faire un peu de pêche. J'espère que Tommy il a laissé la canne à pêche. Je suis out là! Je peux plus! Ah. Je commence à piquer les yeux. Allez, déjà 4h du matin. Mais je vais quand même faire du fishing simulator. Parce que c'est chiant, donc tant qu'à faire, comme on est en train de s'endormir, bah autant bien s'endormir. Je vais juste pêcher le dernier truc, parce que j'aimerais bien avoir au moins mes upgrades tier 2. Parce que comme ça, quand je vais me coucher, tout ça, ça farme tranquille à fond.
Ah, déjà 46 têtes de Wither Squelette, hein. Pas mal, ça. Est-ce qu'il a laissé la leurre et qu'il s'est dit, ouais, je vais la laisser... Oh, Hero Fishing Road. Oh, bah, c'est une leurre 3, bah, c'est bien. Elle a été chopée dans un Lucky Block, mais c'est très bien. On n'a pas vu le garage de Tommy, donc on va aller checker un peu le garage de Tommy. Il s'est abusé, lui. Oh. Oh, il s'est amusé, Tommy. Elle a mis des sprays, un petit truc. Ah, ouais. Ah, carrément, ouais, il se l'est fait... Ah, d'accord. Ah oui, Tommy, c'est... Ah, il s'est donné, là, attention. Il a mis les sprays. Ah, c'est marrant. Ah, putain, il pouvait mettre les trucs au mur. Ah, ouais. Ah, il les a mis sur des ficelles. Ah, trop bien. Ah, c'est pas mal, hein, ce qu'il a fait. Il a pris les bateaux, il m'a dit, ouais, je les ai mis à l'eau. Mais il les a mis à l'eau où? Il les a mis à l'eau, mais sans carburant. Ok. C'est long de remplir un jerrycan. Faudra un petit bruitage, hein. Le fuel peut aller dans les barrels de mécanisme. Par contre, après, quand tu veux remplir ton jerrycan, là, c'est mort. Donc, du coup, t'es obligé de le mettre dans les tonneaux parce que sinon, c'est un bordel. Voilà. Et pour les remplir, t'es obligé toujours de passer par le petit réservoir. Tout ? Sérieux ? Ok. Et on est parti pour pêcher ? C'est assez stylé. Je vous avoue qu'il y a... Se balader dans Roplenty avec un putain de hors-board, ça a quand même du style. Est-ce qu'on va atteindre la mer? Par contre, je suis pas sûr. Hein. Ah, petit bug du moteur, ça arrive. Ça se vide plus vite que ça se remplit, c'est ça. Après, c'est cool quand même de faire une petite balade en bateau comme ça. On va pêcher. Oh, le bug. Tandis que j'ai deux cannes à pêche. Allez, poisson clown. Hop là, esquive de la flèche. Attends, par où je peux passer là? Par là? Ouais, sachant que la base est par là. Ah, c'est parfait. Ah, ça bug moins ici. Oh, je vais me faire attaquer. On peut pas pêcher tranquille ici? Là, bah laissez-moi tranquille. Oh. Bon, on va aller pêcher ailleurs. Bon, c'était juste rigolo, c'était juste histoire de se faire une petite balade en hors-board. Mais c'est cool là, il marche bien, hein. Un Mario Kart avec les bateaux. Ah, on peut faire une course, ouais. Celui qui sort vers la mer le plus rapidement, on essaie de trouver la mer, on creuse un truc, puis on fait un petit fight. C'est vraiment marrant. Bon, on est de retour à la maison. En tout cas, c'est sympa. Non, par contre, ça... Non, mais le problème qu'on a, c'est que le carburant, par contre, ça en demande beaucoup trop, quoi. Ouais, en fait, tant que tu restes dedans, ça... Y a pas moyen de récupérer d'autres trucs autrement. Alors, peut-être farmer du Guardians. Allez, le Guardians, c'était la solution aussi. Pepperfish. Alors, un clownfish plus facilement. Est-ce que faut aller dans la mer, par exemple? Est-ce qu'on chope Nemo plus rapidement dans un biome mer? Et voilà les amis, c'est terminé pour cet épisode de production. On arrive enfin à la fin de cet énorme live. Il restera donc une dernière étape où, eh ben, sur un coup de tête, mon live va continuer. J'ai décidé de passer, eh bien, toute ma farm au tier 3. Et pour cela, eh bien, on ira dans les océans, etc. pour aller farmer du clownfish parce que c'est assez compliqué comme il a un taux de drop qui est très rare et que j'ai pas autre chose pour pouvoir le récupérer. Eh ben, je tente toutes les solutions possibles. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez follow la chaîne, bien entendu. Nous avons les lives tous les soirs vers 21h, 22h. Vous pouvez suivre les annonces, bien entendu, qui sont faites sur le Discord, sur Twitter. Comme à chaque fois, vous pouvez regarder une petite vidéo uTip pour nous soutenir à chaque fois. Merci, ciao à tous et à la prochaine, les amis.